Bonjour à vous mes clochettes, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour notre rendez-vous mensuel de bouffe. Oui, il s'agit de la Dégusta Box. En l'occurrence, c'est une box que vous pouvez retrouver tous les mois livrée chez vous et dans laquelle vous allez retrouver des produits accessibles à tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans vos supermarchés, vos supérettes. Ça vous permet de faire des découvertes mensuelles, de découvrir des produits que vous n'auriez pas forcément achetés et des nouveautés en magasin. Moi, perso, c'est une box que j'adore recevoir. Et oui, je vous présenterai prochainement l'édition limitée Gold que j'adore. Donc, nous allons immédiatement commencer. Je me munis de mon menu, assez difficile à dire. Donc, le thème de mai, c'est pique-nique. Eh bien, écoutez, très bien. On va commencer immédiatement avec le produit qui prend le plus de place. Et oui, c'est un format énorme qui dit pique-nique, dit chips, forcément mes clochettes. Donc là, oui, format XL. Nous avons un paquet de chips. Alors, il n'est pas noté, si pardon, de la marque Bretz. Chips nature, l'original de 250 grammes. C'est un coût de 2,99 €. Je ne connais pas de pique-nique sans chips ou même le soir pour grignoter ou à l'apéro avec les beaux jours. Eh bien, écoutez, moi, je dis oui, ça tombe très, très bien. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce premier produit. Ça, c'est toujours bien d'en avoir en stock chez soi quand il y a des invités imprévus. On continue ensuite avec un produit de la marque Pages. Alors là, moi, j'en ai deux, parce que je suis ambassadrice, mais j'ai également un abonnement à côté tellement je l'aime. Moi, j'en ai deux à vous présenter, mais vous, vous allez en recevoir qu'une variante. Alors, je vous montre le premier. Il s'agit en fait d'un produit de la marque Pages. J'aime énormément cette marque. Vraiment, je l'adore. C'est des infusions et thé à froid. Alors, le premier, moi, c'est une infusion bio glacée saveur orange sanguine. Donc ça, c'est vraiment mais un délice. Les goûts des infusions, thé, etc., Pages, ils sont vraiment exceptionnels. Je les adore. C'est vraiment une marque que j'achète régulièrement. J'ai très hâte en plus de tester. Je pense que ça peut être sympa à le faire frais également. Donc voilà, la première variante possible. La deuxième, c'est celle-ci. Donc là, c'est saveur pêche, donc un petit peu comme un ice tea. Et c'est un thé cette fois-ci. Concernant les autres variantes, vous avez infusion saveur fraise melon basilic. C'est hyper original. Et la dernière, c'est saveur framboise menthe et concombre. Alors moi, honnêtement, je suis très contente d'avoir reçu ces deux-là. Et je crois que dans ma box abonnée, j'ai reçu saveur pêche également. Donc super, vraiment. Par contre, pour un pique-nique, ah oui, oui, si on les fait glacer, qu'on les emmène, pourquoi pas. C'est plutôt sympa, j'adore. Alors ensuite, un produit que j'ai déjà dégusté, parce que j'ai reçu ma box abonnée avant, c'est ceci. Comme vous le voyez, c'est une nouveauté. Je vous disais que dans la Dégusta Box, on découvrait des nouveautés. Et là, c'est le cas. Et ce que je peux vous dire, mais c'est que c'est une tuerie, mes clochettes. C'est de la marque Milka, l'incontournable du chocolat. Tablette Milka tendre noisette. Donc, vous avez des petites noisettes. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, hop, je fais le focus. Vous avez à l'intérieur, là, une petite, je sais pas comment dire ça, pâte toute moelleuse. Là, c'est super bon. Ça, c'est de la dinguerie. Ça coûte 1,59 €. D'ailleurs, la boîte Pages, c'est 3,95 €, la boîte. Mais voilà, ça, c'est génial. J'ai déjà goûté. C'est super bon. C'est un délice. Ensuite, nous avons un produit de la marque Ella. Et nous avons là Martha Original Tomato Ketchup sans sucre ajouté. Donc, du ketchup sans sucre ajouté en plus de ça. C'est valable jusqu'à quand? Ce que je suis en train de me dire, j'ai reçu dans mon autre box. Je ne le vois pas. Écoutez, je ne vous embête pas plus avec mes trucs perso. Bon, écoutez, je ne le vois pas. Mais en tout cas, voilà, très contente. Ça va être hyper utile. Voilà, que ce soit peut-être même pour les pizzas, les hamburgers, les frites. Moi, j'adore. Perso, je suis très contente. Donc, très bien. Ensuite, nous avons... Alors ça, je l'ai goûté et c'est bien parce que j'ai reçu l'autre variante dans ma box abonnée. Donc, je peux vous en donner un retour immédiatement.
Là, nous avons la marque Vittel, soit la Vittel citron que j'ai reçue dans ma box abonnée qui est délicieuse. C'est pas trop citronné, c'est hyper frais, c'est vraiment très très bon. Ou vous avez également celle-ci, la Vittel pêche touche de gingembre. L'autre, c'est citron vert plus précisément. Ça coûte 1,19€, c'est hyper rafraîchissant. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de sucre dedans. En tout cas, c'est pas sucré du tout. Avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah, c'est faible en sucre, mais il y en a quand même un petit peu. Donc ça, c'est top. Franchement, c'est très rafraîchissant. Que ce soit pour les pique-niques, le travail, la maison. Je suis très contente d'avoir reçu également l'autre variante, hein, saveur pêche. Ça, c'est un délice. Nous avons ensuite... Alors ceci de la marque La Boulangère, ça avec du fromage frais, je pense au, comment ça s'appelle, les carrés frais là. Ouais, carrés frais avec du saumon, du citron, peut-être un peu de menthe même. Oh, c'est trop bon, c'est des pains suédois, c'est un coût de 1,99€, on en a pas mal, 6 à l'intérieur. C'est un pain plat à la texture légère grâce à sa mie aérée et alvéolée. Alvéolé, oui, c'est bien ça, qui se caractérise aussi visuellement par une surface piquée. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors voilà, c'est ce que je vous disais, ce pain peut être garni de tout type d'accompagnement. Saumon fumé, crudité, crème fraîche pour la réalisation de sandwich, il peut aussi se consommer en accompagnement de repas, tartiné à l'apéritif ou toasté au petit déjeuner. Donc, multi-usage, hein, le pain, j'ai envie de vous dire. Donc, ça top. Franchement, très contente également. Avec les beaux jours, là, le petit carré frais, le saumon, le citron, ça va passer crème. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, ça, j'ai goûté, parce que j'ai reçu dans ma box abonnée, du coup. Il est ouf, le produit. Les bons mets bio. C'est ça, j'avais même pas fait gaffe à la marque. Ouais, c'est ça. Donc, nous avons la tartinable bio. 3€ le pot. Ah, alors attendez, j'ai reçu celui-ci, je crois. Ah, dommage, j'ai reçu les deux mêmes. En fait, vous pouvez soit recevoir celui-ci, pois chiche, olive et fenouil, qui est très très bon pour l'avoir goûté. Sinon, vous avez lentilles, carottes et citron. Ça, j'aime moins. Haricots, maïs et cumin, ça doit être bon. Ah, oignon, poivron grillé et thym, non, ça non. Oh, saumon et aneth, j'aurais trop aimé recevoir celui-ci. Ou saumon et olive noire. J'aurais adoré également celui-ci. Bon, pois chiche en double. Voilà. Le fait d'avoir double box, ça me permet des fois d'avoir des variantes. Là, c'est pas le cas. Mais écoutez, je l'aime bien. Donc, ça me va. Ah, ça, vous savez quoi? Je garde mon déménagement. Nous avons ensuite un produit dont ma mère raffole. Grâce à la Dégustabox, d'ailleurs, elle a découvert. Il s'agit de la marque Petit Navire. Si j'arrive à le sortir... Les petits tartinables, c'était 3€ le pot, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et c'est des petits filets de maquereau, 1,90€. Là, j'ai le même également, j'ai reçu celui-ci dans l'autre, mais ça me va très bien. Donc là, vous avez huile d'olive, citron et gingembre. Sinon, vous pouvez recevoir recette à la méditerranéenne, huile d'olive vierge extra, huile d'olive et tomates séchées. Donc moi, là, je pense que j'ai vraiment celle que je préfère en double. Donc là, ça me va bien. Mais c'est vraiment excellent ça. Trop trop bon. Et sur le petit pain suédois, ça doit être excellent à déguster aussi. Et nous avons aussi un dernier produit. Alors ça, je les ai goûtées. Elles sont vraiment très très bonnes. C'est la marque Lustucru. Nous avons des torsades délices au blé complet de 250 grammes. C'est 89 centimes la boîte de 250 grammes. Laissez-vous tenter par les délices au blé complet de Lustucru, une recette unique alliant gourmandise et plaisir sain grâce aux bienfaits du blé complet, source de fibres et riche en phosphore, une fine saveur de céréales et une jolie couleur ambrée dans un format 250 grammes idéal pour régaler deux personnes. Là, vous allez me dire pique-nique des pâtes, mais oui, vous pouvez faire des salades de pâtes avec du thon, des tomates par exemple. C'est une très bonne idée. Et vous avez également sous chaque produit là où vous pouvez les retrouver. Donc ça, c'est dispo dans les magasins U, Leclerc, Intermarché et Cora. Et pour ma mère, alors c'est pas précisé, disponible en grande et moyenne surface pour les petits filets de maquereau. Je les ai tous donnés à ma mère la dernière fois, mais cette fois-ci, je me les garde. Oui, je me les garde, je vais les goûter parce que ça a l'air tellement bon que ça m'a donné envie. Donc ouais, très contente, vraiment, la box est géniale. Moi, perso, je l'adore. Le thème est bien respecté.
Même au niveau des pagaises, parce qu'on peut tout à fait les glacer, mettre des glaçons, les emporter. Le ketchup, bah, pour faire, comment ça s'appelle, des hot dogs, vous pouvez faire plein de choses avec. Moi, je la trouve vraiment très très bien, cette box. J'ai vraiment hâte déjà de recevoir la prochaine. J'espère, mes clochettes, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette Dégustabox du mois de mai. Moi, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.